Shalom bien-aimé, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il vient de nous accorder encore maintenant. Ça fait quelques temps passé, nous avons reçu l'émission en radio et j'ai parlé avec beaucoup de personnes à Katia Radio. Alors tout à coup, on a bandeau expliqué et logomoko oyo. Nenge biso to yebi sur l'église. Alors Ezaki na ndekomoko, quand j'avais parlé, je dis que j'ai deux églises à Kinshasa. Ndekoana bino parce que koloba deux églises te, koloba te que j'ai deux églises na Kinshasa, il faut le ba église de Jésus-Christ. Alors yango et pour ça kingai na réfléchir Mouke, comment est-ce que tu peux aider communauté Nabiso, tout le francophone et lingalaphonie, ou baloba lingala, na ou baloba français sans le comprendre, va comprendre pourquoi l'église anime. Parce que dans la 4e émission, j'ai expliqué de parler aux gens ce que c'est l'église. Alors j'ai compris que te belé baza tellement mal enseigné. Ou baso comprendre ti Bible. Je me rappelle aussi une fois na posta ki na Facebook nanga na posta ki image ya mwana nanga moko dans la foi na yeke bate bien na libanda balinga terme wana te ko parler sur l'enfant spirituel ou le père spirituel. Mais mwana nanga moko dans la foi naza ko insister Marie olinga amote. Na posté image na ye, parce que apostat qu'on a fait ce book pour nous célébrer année oyo 10 ans il y a ministère pastoral na ye oyo ngai Jean-François Nzubila père spirituel na ye na ordonné qui ye a commis pasteur pe lelo na azoko célébrer na 2016 awa 10e année na ye pastoral. Alors quand m'a posté yango nga siko na posté en mope lissou na Facebook na nga nalobi, voilà les signes de mon apostolat. Et puis, a zupi ba image, a ba tilté ba nansa na église, na Kinshasa, a posté pe yango, nga ipe na zuya mon abi, voilà mon église à Kinshasa. Alors, nde gomoussou sa komelinga, voilà je me rappelle bien à Zana France, abi na nga pasteur. Il ne faut pas dire mon église, il faut dire l'église de Jésus-Christ à Kinshasa parce que l'église ne t'appartient pas. Nabi, oh, merci, que Dieu te bénisse. Mais en réalité, j'ai compris que la majorité des chrétiens basés dans l'ignorance, il y a makamou tellement ébélé. Nalina banda d'abord qu'on parlait sur l'église, qu'on enseignait d'abord l'église pour nous doit comprendre. Nazali awa na bandi lelo boba no mona na Facebook bato babanda koya na centre évangélique chrétien na biso leto pe sa ba étude biblique ba kozwa ba deep explanation ba kozwa ba enseignement oyo esengeli ba o comprendre mais ah nazo lancer pour na public mobimba mutu nyoso atala na yi pe a étudier nazana ba bible ba version ebele awa ko eza version ya lingala. Lingala ya petito, lingala facile, lingala oya lilo. Nazali na version oyo, babengi The Bible Prophecy, Study Bible. Ezali Bible na anglais et combiné makamunyoso. Nazali na version ya Holy Bible, ya New International Version, na anglais. Nazali pe na Encyclopédie biblique awa ezan en français. Nazali na mini Bible dictionary oyo ba tindela ngango na camarade na ngamunga pasteur ya Four Square azana États-Unis atindela nga série mon babloko oyo ezan mini na boy ko bimisa ya munene. Et puis bande ko Bible français lokwa bilo bolinga mi ko tanga ba Bible français nazala ba Bible nosa français awa. La bibliothèque kuna nazali na ba version ebélé ya ba Bible français mais ba lui sego amuké parce que ba te belé bazo sala débat public kaka na moi lui sego na ya muké bozela kutuna zo ango
kaka na mwa Bible oya mukie oya Louis Segond Bible mukie oya Louis Segond oyo mutabandi débat doctrinal biblique kaka na mwa Bible oya Louis Segond a et puis ça fait vraiment la honte ya biso ba francophone to ba lingalafone ko sala débat ya Bible na eloko oyo Louis Segond mukie. Voilà pourquoi on a décidé de choisir car la version O. Maintenant, tellement la version est belle à la Bible. Série O, on a zoomé un mot Church Series. Church Series. Et ça, série, il y a bas enseignement caca sur l'église. On a côté sur la foi, on a côté sur les péchés, on a côté sur le baptême, on a côté sur le Saint-Esprit, on a côté sur d'autres problèmes doctrinaux, on a côté sur l'église. On a dit que The Church Series. Où est la première partie? On a insisté, on a dit que le centre évangélique n'a pas été tout ça. Alors, parce que si on a dit que le monde est na ba étude biblique to bansa to lancer binopé to pousser binopé na adresse na ba jour haut to bansa ba étude biblique wana ba koza na connaissance plus exactement de la parole de Dieu. Mais awa eza pona ignorance longwa. Bien-aimé pesa temps na enseignement parce que na makamba politique na lobaka I have a voice and I must use it. Na makambo ya nzambe na zo lancer moto oyo ba bengaka slogan is ali stepping out of the crowd to see things differently. Stepping out of the crowd to see things differently. Il faut obima à la mêlée pour au mona makambo différemment. Wana ezali devise to motto na makambo ya nzambe nde na lancer yango stepping out of the crowd to see things differently. Ce n'est pas tout le monde parce que azolo bali kambo ndenge wana yo fondi mayango keza bongo nga étant que chrétien étant qu'un enfant de Dieu étant que serviteur de Dieu nazako croire na parole de Dieu et puis nazo croire que la Bible telle qu'elle est là elle est la parole de Dieu muso azo croire que c'est la parole de Dieu azo croire que la Bible contient la parole de Dieu nazape d'accord na muto wana mais j'ose croire que ce n'est pas Dieu qui avait écrit la Bible, mais c'était des hommes qui avaient écrit de la part de Dieu. Alors, puisque les hommes ont écrit de la part de Dieu, chaque personne a utilisé qui langue naïe pour a écrire. Il y a une Bible oyo eza écrit araméen ezali na kati, bakoma ki yango na araméen, bakoma ki yango na grec, bakoma ki yango na hébreu oya kala eloba makutu susu te, bakoma ki nini Bible oyo na balang na biso ya lingala te na français te na anglais pété. Alors puisque les gens ont écrit de la part de Dieu et ces gens-là ne parlaient ni français ni l'anglais ni lingala. Ces gens parlaient araméen. Wa zeko loba araméen a commis prophétie na ye, to vision na ye, to histoire na ye ou ezana kati ya Bible na munoko na ye araméen. Wazekoloba hébreu a commis vision na ye to prophétie na ye to histoire na ye na hébreu. Wazekoloba grec a commis yango pe na langue na ye selon pe ba destinateur oyo ye a komeli. Alors biso lokwa to lobaka ba langue wana te, il y a eu des gens ko ba bengi ba traducteur et ces traducteurs là n'étaient pas tout à fait chrétiens. Ayebi lang azana connaissance ya lang a traduire araméen Bible ali boso ba traduisa ki yango ba traduire yango nyonso na hébreu ba traduire Bible donc Nouveau Testament te Nouveau Testament te Bible Ancien Testament tozana yango Ancien Testament na Nouveau Testament Ancien Testament est comme na hébreu la majorité de partie na une partie na araméen. Alors parce que za langue oyo ba ndeko loba ko n'est pas ba juif. Et puis Nouveau Testament ba koma ki yango en majorité na grec. Langue oyo ezaye ko parler na époque wana lokola lelo, langue e parla la langue qui est beaucoup plus parlée na monde scientifique c'est la langue anglaise. Ce qui montali ko parler na ba scientifique a ko parler a ko loba mingi na anglais. Alors tu ebi ke tozali na anglais, tozana na français, tozana na ba espagnol, tozana na ba langue ebele.
Alors, na époque wana langue bandai koloba, na époque au Nouveau Testament, langue bandai koloba ma mingi ezaki grec. Alors, ne yangwana Nouveau Testament e komami na grec. Sikoyo bazaki sikoyo na deux versions, bazana na Ancien Testament o eza na hébreu et Nouveau Testament o eza na grec. Alors sikoyo bato bayebaki hébreu te moye ba comprendre nous Ancien Testament ezaki. Il y a des traducteurs qui traduire Bible ya nini ya hébreu na Bible ya grec ba traduire en une version de 70 version de 70 na ko mokene ko marambe belé na sauté en parce que ekoya bon sabino mais na zone sabino ka ke les gens qui ont traduit la Bible ce n'était pas nécessairement de chrétiens. Et la plupart de ceux qui ont traduit la Bible au bisoto na ngolelo, ils ne croient même pas en Dieu. Mais baza na bato baza na connaissance ya langue, ne ba traduire Bible, ne bomona ka Bible eza na ba version ebélé. To ko expliquer yango. Na ba version ebélé wana eza na ba mot oyo par exemple koto ba traduire onde musu koto ba traduire onde ce n'est pas que la Bible se contredit mais autre dépendre mot oyo traducteur a pesi valeur. Je pense que voilà pourquoi Nazan a ba version belé pour na lingi yo au comprendre l'église. Na première partie il y a enseignement où on a bengi the church series na iko parler d'abord na église oyo bato bazo comprendre te. Tozwa par exemple li solo ya Abraham. Abraham lera azalaki abenga mai na kombo ya Abraham. O papa na mama na ba benga ba botaki nango. Mais Nzambe a transformé kombo na na Abraham le père de beaucoup de nations. Tango Abraham origine na ye parce que biso to ba chrétien. Abraham azali père de la foi et pas na biso ba chrétien. La même chose azali père de la foi et pas ya ba juif. La même chose pe ba musulman. Les trois grandes religions du monde, Islam, christianisme et na judaïsme, bazo pe sa valeur na Abraham. Or, Abraham origine na ye, Abraham azaki juif te. Koza la presse a ko contredire nga te fandana nu yoka. Po mabe ba te belé ezali ke azo pe sata tenter ayoka connaissance mususu oye ko ya peut-être ko longola fausse connaissance oye azaki nango ou peut-être ko baksa un plus na connaissance oyo ye azango. Abraham aza chaldéen autaki na chaldé oyo ezali na sud ya Turquie pe vers l'Irak soko tala ba chaldéen baza presque ba kurde lelo yo boy. Donc Abraham autaki na région wana na sud ya Turquie pe toyebi ke Turquie ezaba pays oyo ezali asiatique ezan Asie. D'où Abraham n'était pas un juif, Abraham fut un arabe oyo azali chaldéen. Kuna na chaldé place na ko fanda lelo botona na ba kombo ya Turquie na Erwana za akite tozana na kombo ya ba Irak na Erwana za akite Irak na era kalabane ko benga yango Assyrie. Irak na era kala banabe yango Assyrie tamo mona kana Bible Assyrie nde yango na Irak lelo boy yango tamo zo tanga Bible tanga yango na contexte ya l'Erwana. Si ko lelo ezanine pe ba pays limitrophe ya er bazo ko ma Bible ezesu nengi yango ezate pe ba limite e changea pe zo continuer ko changer. Mais Irak ne fut pas un plutôt Abraham ne fut pas un juif, Abraham fut un chaldéen, c'est-à-dire na ba na pays limitrophe entre le sud de la Syrie et l'Irak. Donc toza na ba kurdo baza na sud de Syrie, toza pe na ba kurdo o baza na Irak. Donc Abraham azam mutu azaki wana. So le lot ba ko sala ba recherche belé ba ko bla ko bimisa. Selon nga na ba recherche na nga pe na connaissance o nga na sala na parole de Dieu na monique aza parmi ba toto benga ba kurdo. Alors yo goza na connaissance musu me bibe tangi chaldéen tangi juif. Dieu s'est révélé à Abraham. Pourquoi nabani na Abraham de na lobaki aza le père de la foi na boiko ke musika na Moïse mais na zonga pe na Moïse. Pour nous expliquer les gambo ya église, au ko comprendre les gambo église c'est so comprendre place ya mutité. Tango nzambe aza ko se révéler na Abraham.
Dieu appelle Abraham de sortir de son pays, de sortir de la Chaldée, de sortir de sa famille, d'aller vers une terre que Dieu lui-même a préparée pour Abraham et sa descendance. On se comprend? Voilà pourquoi on a dit qu'Abraham a été juifté. Nous avons bengié na chalde, na mboka o ya botama mboka ba parana yi. Nous avons lobi longwa bima na chalde o kene na terre o yo ngana ko lakisa yo. Si ko terre o yo nzambe azo lakisa Abraham a yebse ke za terre boy terre boy nanute. A yebse ye a pese direction kene na sud, kene vers l'ouest. Banda ko kita boy. Outi kuna na est, banda ko kita vers l'ouest. Ne direction oyo, nzambe apesa ki Abraham. Oko découvrir que tant Abraham, azana nou, ko apprendre nzambe, na utilise te amwana. Il ne connaissait pas encore Dieu. L'air Abraham, a sa ligueur, na cinq rois, pour a libérer Sodome, a libérer roi à Sodome, na Gomor a libéré neveu naé Lot na lobaga on a vidéo mon na sala na YouTube Melchisedek bibelobi était déjà sacrificateur na otanga moté pour na lobaga on a na vidéo eza na YouTube Melchisedek était déjà sacrificateur Abraham aza ko apprendre na ko yoka nzambe Aza pour apprendre une obéissance à la voix de Dieu, mais il y avait déjà quelqu'un qu'on appelait Melchisedek à cette époque-là, qui était serviteur de Dieu très haut. Bote ya kamoka kale bolbagé Abraham a fouti dibinaï et pas à Melchisedek, parce que ma kamulabino nyo soye kana ma mambongo, bosu oza important, bozo ko ignorer tout bozo monamote. Tout bosa na mamba dim. Tout beau ça m'a mambongo. Tout ça c'est que Melchisedek était serviteur de Dieu très haut. Mais Abraham apprenait encore à entendre la voix de Dieu et il n'était pas encore dans sa terre promise. C'est quoi yo? Melchisedek a été déjà serviteur, sacrificateur. Hébreu et na Hébreu 7 qu'on appelle ça déjà passage wana. On peut ça monter c'est quoi yo? Pour ça déjà na YouTube. Na passage wana na lobaki ke. Hébreu chapitre 7 est comparé Melchisedek na Christ. Ce qui Melchisedek à l'époque d'Abraham, Azaki déjà sacrificateur de l'Éternel, du Dieu très haut. Oba bengin El Elion na Hébreu. El Elion, le Dieu très haut. À l'époque, Bazambe Bazaki belé tout comme l'Elo. Mais Melchisedek servait le Dieu très haut. Melchisedek a enseigné à Abraham le Dieu très haut. Et Abraham a reconnu que celui-ci est sacrificateur de l'Éternel à payer Dimnaïe et pas ya Melchisedek. Si vous yoyez Bisangaï, Nzambo Melchisedek a zaïko Sambela, Aoutewa. Ozumonake, kakana contexte wana, que le Dieu que Melchisedek servait, puisque Melchisedek était roi de Salem. Salem dans le bique en hébreu, Isali Shalom. Alors, Melchisedek est roi, il y a Shalom, to Salem. Salem, wana yango oyo lelo, Isali Jérou, Salem. Dans le bille qui m'a rembangu, mingi na vidéo oyo, Isali YouTube ou Luka, mon pebo mon ango. Melchisedek est qui sacrificateur na en même temps roi, en même temps sacrificateur. N'ayez-moi que Salomon, le roi, l'homme le plus riche de la terre, Azalaki en même temps roi, Azalaki en même temps sacrificateur. Papa Naïe David, Azalaki en même temps roi, en même temps prophète. C'est comme Melchisedek, Azalaki en même temps roi, en même temps sacrificateur de Dieu très haut. Nzambo ya lobaki na Abraham Bima. Nous avons promettre à Abraham terre promise. Abraham n'a pas de terre, wana te, même nous avons Melchisedek déjà ça qu'on servir l'église. La Bible peut se détailler mon côté, place Melchisedek ça qu'on servir. Mais quand on voit le sacrifice, qu'il était sacrificateur, est-ce qu'on allait sacrifier et pas nous avons dans le temple? Est-ce qu'on allait sacrifier dans l'église? Pour regarder une bonne connaissance, Balobaka, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous.
aux hommes. Et puis, Bible, la Proverbe des Oloba, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder, de découvrir ce qui est caché. Ngana lingina kende au-delà te ya oyo Bible est révélé sur Melchisedec. Toyeba azaye ko sacrifier na temple nini. Toyeba azaye ko sacrifier na kati ya église toté. Mais na suki kana o Bible la kisinga qu'il était sacrificateur de l'Éternel, sacrificateur du Dieu très haut. Azaki sacrificateur ya diable te parce que ba comparé Melchisedec na Christ. Donc c'était un bon serviteur de Dieu et il connaissait ce Dieu là pendant qu'Abraham a yeba kenante. Abraham yemoko. Lena nzamba ngazo lobela Abraham. Azo lobela ina église ni. Abraham nulle fois na katia Bible to moni ke Abraham a ke église. Nulle fois na katia Bible to moni ke Abraham a ke na temple. Nulle fois. Mais il parlait avec Dieu. Donc au moment Abraham obiso to zobete la tolo lelo. Ata moko mota kote na église, ata moko mota kote na temple. Mais Abraham azaki na relationship na Nzambe, ce n'était pas lui qui avait choisi Dieu, c'est Dieu qui l'avait choisi place au Yahouti pour que ça ait été promis. C'est qu'à partir d'Abraham, foi na biso et outi wana, à partir d'Abraham pour yangonde biso oyo tozo landa. Donc tozo mona ke dans l'Ancien Testament na Bible mobimba tout le dans l'Ancien Testament sans ya donc église mon église ezati mais nzambo ya Ancien Testament yende nzambo wana continue dans le Nouveau Testament quoique mon église ezati mais concept ya église ezali pour mon église e outi na mon babengi ecclesia elingi koloba sortir de ni yango wana définition to explication ya mon église na développer ngo na ba série oyo ya mais na série oyo ecclesia malgré mon église na Ancien Testament ezati mais idée ya ecclesia ezali ecclesia elingi koloba sortir de. Tango Nzambe abengi Abraham abima na chalde. Idée ya Nzambe ya ko créer église bandi wana. Soki to utilise source oyo esika mon église outi ecclesia. Donc Dieu en appelant Abraham de sortir de son pays vers un pays que lui-même a préparé, dans l'idée de Dieu, il y avait déjà l'ecclésia ou église. Nous avons un bâtiment, nous avons un rassemblement de personnes, nous avons un bengi, un bengi, un kati, un chalde, abima pour akende na place où nous avons bongi si. Na ina pe exemple à mibale, toujours dans l'Ancien Testament. Il y a Moïse na bana Israël. Tozo mona Moïse lela zaki na Égypte. La Bible dit il était instruit dans toutes les sciences des Égyptiens. Tant babi toutes les sciences makambo nyonso ya ba égyptien na magie ya ba égyptien ko kama ngote po ba bokoli Moïse na pharaon to la fille de pharaon pharaon eza kombo ya mutu te pharaon eza titre biso oto sali théologie to yebi ke cette fille là était elle-même pharaon azalai ko diriger Israël azalai ko diriger Égypte na frère na ye. Cette fille-là, Pharaon, est à titre, est à combo ya mutute. C'est-à-dire, Motoa Zalaki roi na Égypte, bande ko benga e Pharaon. Motoa Zalaki roi na Égypte, bande ko benga e Pharaon.
Mwasi wana babenge la fille de Pharaon parce que azala ki princesse. Mais à l'époque, c'est elle qui dirigeait Égypte avec son frère. Wana eza pona ba théologien. Cette femme a éduqué Pharaon. Plutôt Moïse. Yem ta pesa kombo wana et pas ya Moïse. Papa Moïse timba pesa kombo ya Moïse. Nzambe tim ta pesa Moïse kombo ya Moïse. Pharaon ta pesa Moïse kombo ya Moïse. Nzambe pe na bengi Moïse a bengi kana kombo wana Pharaon a pesa ki ye. Et le petit Ekeo parce que zaki kombo ya ndoki. Non. Or Pharaon na Égypte azaki considéré comme Nzambe. Il faut comprendre makambo na zolo pour comprendre l'église là dans le détail. Pharaon à l'époque était considéré comme Nzambe. C'est-à-dire que les Égyptiens étaient considérés comme Nzambe ou Bengira, le Dieu soleil, na Pharaon. Alors serpent était un emblème na bango. Même les 10 plaies étaient un combat entre Dieu na les 10 dieux ou qui vénéraient dans l'Égypte. Na olobelangote pour nous parler sur l'église. Mais Moïse oyo azalaki éduqué na science ba égyptien. Moïse oyo akoli na ndako ya pharaon. Mais là Moïse a koki 40 ans. Quelque chose s'est passé boye biango akimi akena pays de Madian. Kuna na Madian aké kukuta Jephté qui était déjà prêtre qui servait l'Éternel. Na lingi bo comprendre l'homme. Quand Moïse a yébi na nzambe te, Jephté déjà yéba ki nzambe pas au servir, il pas déjà prêtre. Nazo na mgena Abraham. Totanga li gamba lote. Est-ce que bo yébi ke Lot oyo nzamba zoroba na mabele mobimba mutuloko la Lot azate. Lot avec qui soit avant Abraham ou bien la même période avec Abraham. Et puis l'autre est plutôt Job. L'autre était mais Job. Job a vécu soit avant Abraham ou dans la période d'Abraham. Il faut avoir une connaissance plus exacte de la parole de Dieu avant de discuter quelque chose. Job a été arabe. Tant Abraham Abraham n'était pas la seule personne oyo ayaki koyeba nzambe. Tant Abraham azako struggle, azako iluka koyeba nzambe, ezana bato oyo bazaki déjà na nzambe lokola ba Job. Job azaki avant Abraham ou bien même période na Abraham mais na ba contrées différentes. Ndenge moko pe na yera likambo ya Moïse, tant Moïse akimi na Madian, déjà na Madian kuna il y avait déjà un prêtre, Moutozo servi de Nzambe. Jephté, Azako servi Nzambe l'église ni. Tout na temple ni. Nali kokota na détail, il y a religion, il y a moyen orienté na époque wana. Nali koza mingi focus concentré na terme o ya église pour ba chrétien bo comprendre, bo za na connaissance plus exacte de la parole de Dieu. Donc à Moïse a yeba ki na Nzambe te. Combo va pesa kende na otiko expliquer nde ba kolisa kende na otiko expliquer za verset eza na kati ya Bible na Hébreux chapitre 11 botanga yango. L'er Moïse a kena Madian a sali sou 40 ans à côté d'un prêtre de l'Éternel. Ba bengi Jephté prêtre ya Satanati, mais il était le prêtre de l'Éternel. Pendant 40 ans Moïse a appris de Pharaon dès sa naissance. 40 ans Moïse a appris de Jephté, le prêtre de l'Éternel. Aucune fois Nzamba lobela ki Moïse. Aucune fois. Au contraire, prêtre wana azui mwana na ye ya mwasi Sephora a pesiye apesiye pa Moïse. Ba kabeli mwasi pour apesa ya ta dotiti. Ba kabeli Moïse mwasi. Na papa a mwasi a kabeli Moïse mwasi. Abina peso mwana ngai. Ba nipe obota na ye. Moïse a bani ko servi Jephté comme berger pour Jephté zaki na bana mibalite. Moïse a bani ko servi Jephté comme berger ko batte la ba berger ba brebi ya papa bokilo na ye en même temps zo fane pa bokilo na ye
40 ans. Calculer tata à 40 ans. Bazo prendre en charge. Bakabeli moi si quoi zagi ne l'ogote. Abandi ko boko la siko ba brebi ya papa na ye. Se fura pa beta gito lote que d'ailleurs Moïse place son salier et que ça va parler na ngaso ki o lelo boyo zon vivre parce que ça va parler. Jamais la Bible tout que boyo lelo kwana. To lo bela um koto te abino mama mba. Sikote. Mais ça mate. Kaka un jour Moïse a bimika apwa ke ne ko servir bokilo na ye comme d'habitude. O a dit déjà prêtre Moïse a ke ko boko la a ke na zamba da ba meme ya bangumbe bataba ya bokilo na ye wa zaidi a prêtre de l'Éternel pendant que Moïse a coxé déjà 80 ans à l'époque, a coxé déjà 80 ans à l'époque et maintenant na 80 ans na ye wana na bato na ye ba berger, c'est à ce moment-là que a monaki nous étions au pila mezo zikati. Première rencontre, il y a Moïse dans le surnaturel de Dieu. Après avoir pendant 40 ans appris de toutes les sciences des Égyptiens en Égypte et 40 ans à apprendre de l'Éternel à partir de Jephthé, pour qu'on sache que Moïse a une paix spirituelle. Bible l'obite pendant 40 ans, c'est que Moïse faisait chez Jephthé. Mais Bible pèse indice l'obite que Jephthé était prêtre de l'Éternel. C'est pour yo, au entendre, ben, on a ma théologienne, you must fill the gap. Gap et ça, on a 40 ans. Et puis, ma pèse au élément que cet homme-ci, chez qui Moïse a trouvé refuge, cet homme qui a donné sa fille à Moïse, sachant que Séphora était la première fille de Jephthé. Puisque Jephthé n'avait pas de garçon, c'est-à-dire il avait investi sa connaissance et tout ce qu'il pouvait à sa première fille pour que sa première fille le succède lorsqu'il mourra. Et c'est cette première fille qui était préparée selon le cœur de son père pour le remplacer que Jephthé avait donné à Moïse. Donc c'est pour dire que Jephthé a enseigné à Moïse l'Éternel. C'est-à-dire Nzambe a zongisi compteur à zéro, a effacé au Moïse a joué qui ya kindoki ya ba Nzambe ra ya pharaon lokola Nzambe Jephthé a bandi ko lakisaye le vrai Dieu ne ba benga ka fil de gap ne Moïse a moni moto zo pela nzite zo sikate nga na okima na ebite pona yo. Mais Moïse a tellement monté ma makasse à kimité à se détourner pour ta là. Comment monte zo pe na nzete nzete zo zikate. C'est à ce moment pour la première fois na vie à Moïse a yo ki mongongo ya Nzambe. Pour la première fois. Bien aimé dans le Seigneur. Moïse a commis à 80 ans pour la première fois yo ki mongongo na Nzambe. Ndenge moko pe Abraham a koli na chade na chade a bali demi sœur naye a komi déjà mukolo a yoki mungongo ya Nzambe. Kuna Melchizedek a déjà sacrificateur, kuna Job déjà vivre combat naye, Job a vivre déjà combat naye na diable. Mais Abraham a ko apprendre na Moïse nana yoki mungongo ya Nzambe te. Jephthé déjà sale la ka Nzambe wana. À 80 ans de Moïse, il y a eu un Nzambe, Nzamba lobi, oh, tu étais soulié car le lieu dans lequel tu te tiens est saint. Lion est avec Israël. Lion est avec Égypte. Mais ça qui dans la terre de Madianite, si Kawana, yé, Azaïko Fanda, na Bokilo naye, na belle sœur naye, na moisson naye, na bana. A bouté de bani balé. Si vous voyez Sanga, et ça qui n'église ni. Moïse a eu un Nzambe n'église ni. Ton temple ni. Mais yoka langage en Zambé ndena lobaki na bino église outi na mot ecclesia o elongo ba sortir de yoka langage en Zambé ecclesia bimi soso mot ecclesia e bimi ngana te yaka la parole de Dieu selon la pensée de Dieu et non selon la théologie que j'ai étudié na te yaka parole de Dieu na comprendre en mote na te yaka parole de Dieu la ki sa yo la pensée de Dieu yoka siko ecclesia na munoka Nzambé. Nzamba bina ye nazo songiso na Egypte o libérer peuple nanga. En résumé, pour na ikolo ba mamlo so technique. Nzamba bina zo songiso na Egypte o libérer peuple nanga. O moni bia ekeza,
Donc, ye Moïse, Arzon en Égypte, Azoa bat, ba Hébré ou Bazalaki Oana, ba Hébré ouana Bazalaki Siko, ba descendant, ya Abraham, ou yon Zambé à l'obaki, nazo pesa yo descendance ou ba Ozala ebele. Peut-être que nous avons promis que nous avons parlé d'Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies sur toi, même les Congolais seront bénis sur Abraham. C'est la parole de Dieu, je crois en ça. Alors, toutes les nations de la terre, la Bible dit toutes les nations de la terre. Si nous avons parlé parce que nous avons parlé d'Egypte, nous avons libéré les Juifs, nous avons parlé de Bébé, nous avons parlé de j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. Je suis descendu pour les délivrer. Abim, ça va en Egypte, Bakende. Mon idée à l'église, quoique mon église est exalté, quoique mon église est exalté, mais la pensée de l'église de la part de l'éternel est qui déjà. Et la personne que Dieu a choisie pour accomplir cette mission, c'était Moïse. Néanmoins, pour Moïse, ça l'a convaincu. Nzambe a parlé la langue que Moïse pouvait comprendre. Parce que Moïse a apprendre Nzambe dans l'Égypte. Moïse a apprendre Nzambe dans Madian. Et pas un beau-frère, d'ailleurs, il est déjà prêt à comprendre ce qu'il y a. Mais c'est ce qu'il y a convaincu. Convaincu, Penzate. Pour na idée na yebi ke banzambe basé belé donc au beau père nanga zo sambe za penzambe mususu kaka na kata banzambe parce que c'était comme ça basé na banzambe belé na époque là moi je crois tous les ko yoza nani mais si quand nzamba bandi ko se révéler I am darayam kende ko yebi sa darayam sent me celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers toi vers vous. Si Kuyo, Moïse avec toujours coco. Reluctance à Moïse, ton résistance à Moïse, ce n'est pas qu'il ne voulait pas. Il était dans la confusion parce que ayeba kinzambe te, ayeba kinzambe angote. Nzambe suka bandi ko révéler que I am darayem, kombo nanga. Ezali, I am darayem, mon nom, je suis dans la français. Mais nzambe si Kuyo, pour à convaincre Moïse, Dieu a parlé le langage que Moïse pouvait comprendre. Pour Moïse, il a dit que dans l'Égypte, Pharaon a Nzambe. Ce qu'on a dit, Moïse a dit, je te mets Dieu devant Pharaon et ton frère Aaron, ton prophète. Ah, c'est le langage que Moïse pouvait comprendre. Nzambe a dit, na tcheyo pe Nzambe. Azaki prince. Ayebi que Pharaon a Nzambe, Pharaon a vénéré en Égypte. L'Enza m'a parlé langage au Moïse a pouvoir comprendre que je te mets Dieu devant Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. N'est-ce qu'à comprendre? Ah, Nzambe tchenga Nzambe. Mais Nzambe kolika Pharaon. Clair, c'est clair. Moïse a obéi, Moïse est parti et Moïse a libéré Bana Israël, ba bimi na Égypte. Le fait qu'obima na Égypte, Ecclésia, sortir d'eux, ils sont sortis de l'Égypte vers la terre que Dieu avait promis à leur grand-père, qui? Abraham. Donc, même si mon église est jeté, mais l'idée, le concept de l'église est là, parce que l'église est outina mon obabengi ecclesia. Ecclesia veut dire sortir de. Bon, pour ça, les maïla falin zamba pour na moutou moko, ou ya outa ki na kati na Egypte, ou ya yeba ki makambo ya bonzambe pour na zamba ko utiliza ngo sima, moutra yeba ko tanga na ozongela ngo souste parce que zap enseignement moussousso, mais nzambe en résumé, nzamba longoli moutouana a kei na ye et paye. Il y a Jephté et Moïse a apprendre pendant 40 ans et puis les rapports pendant 40 ans Moïse a eu comme ça il y a encounter with God a eu comme meet God dit qu'on a mal zongi si n'égypte ce qu'on a à libérer peuple et puis c'est vrai Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon et Moïse a bimi Naba na Israël ko bima. Israël ko bima na bango na Egypte pour naba kene na désert vers la terre promise, c'est l'ecclésia. Quoi qu'il y avait pas de mot église, c'est l'ecclésia. Donc en résumé,
Il n'y a pas de mot église dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, mais le concept de l'église est là. Bien-aimé dans le Seigneur, bo patienter mususu mukina nga pona ko sukisa awate na baksa element mususu pona boza na idée claire là na sukisa comme ça là na ko continuer ou comprendre. Leur Moïse a commis un peuple na Égypte na désert. Le fait que Israël va bimi de l'Égypte vers ils ont déjà église, ils ont déjà ecclésia. Mais na kati wana nzambe na Exode chapitre 20 a pesi d'abord Moïse les 10 commandements. Moïse a banaye ya kosola nzambe, nzambe zo pesa ba ordre, nzambe Moïse a bandiko yeba nzambe ainsi de suite et tout ça. Et puis nzambe suka bandiko pesa Moïse les 10 commandements na Sinaï. Ou est en Afrique, en Égypte, toujours. A pesier si ko ba commandement na ye ou a pesa ki Abraham était. A pesier ba commandement na ye ou a pesa ki Abraham était. Ba commandement wana Abraham a ye ba ki angote. Si ko nzambe a établir ba commandement na ye les 10 commandements, mais ba juif bazan a les 10 commandements, te ba juif bazan a plus de 60, de 600 et quelques commandements. Mais Nzambe a pesi Moïse les 10 commandements. Oyo bana Israël na désert faut bato sa pour bazala en règle na yé. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'Nzambe silisi ko pesa ba loi na yé et pas ya Moïse pour Moïse a pesa ba loi wana et pas ya ba Hébreu wana o bazo constituer ecclésia o bazo constituer église a yé bisi si ko Moïse et sika si ko na lingi tanga. Na lingi na bana awa na version ya New International Version ya anglais awa Nzambe sikoyo alobi na Exode chapitre 25 na lingi na tanga kaka verset Exode chapitre 25 ko banana verset 1 ti na verset 9 Nzambe apesi ba ordre na ye epa ya Moïse pour Moïse a récolté mbongo pour na bato a récolté ba biloko ba tout ça pour bato ba sale la ye tabernacle yoka siko Nzambe loka lobi na verset 8 out then let them make a sanctuary for me and I will dwell among them. Verset 9. Make this tabernacle and all its furnishing exactly like the pattern I will show you. Deux verbes na lingi binobo yeba. Na verset 8. Then let them make a sanctuary for me. Sanctuary for me. Na verset 9. Make this tabernacle. Mo oyo ba traduire na sanctuary to sanctuaire. Ba eko traduire ango lisusu na verset 9 comme tabernacle. Nabi Exode chapitre 25 verset 1 à 9. Yo tanga ango verset 1 à 9 mais anga na tanga verset 8. Na 9. Na lingina tanga na version en français parce que ba congolais belé bolinga en français o nga na tangi ezali anglais. Siko na liko tanga na version ya français awa Exode chapitre 25 verset 1 à 9 mais na botanga ka verset 8. Na français balobi, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Nzambe le rappelle si ce qu'on ordre par Moïse, azwa ba offrande pa ya peuple, boba tongela enine, un sanctuaire pour que Dieu vive au milieu
de ce peuple-là qui était dans le désert, on a bengi ecclésia. Yanga ba passé boti kana ba distraction otia ba tu ba dimba offrande boti ba tu what is matter. L'ecclésiologie doit d'abord être enseignée dans l'église. C'est à boti kana le koso ya mbongo parce que les gens sont perdus, les gens sont dans l'ignorance parce que bino bozo kuwele la ka côté à miracle offrande dimbe tout ça makambo eza matter, les gens ne le savent pas. Nali kotanga na lingala. Exode chapitre 25 verset 1 à 9 me na lingala ndeka na lobaki na kotanga kaka verset 8 à 9 me bino bozana bandako botanga verset 1 à 9. Natanga verset 8 à 9. Boko sale langai ndako ya kapo pona fanda kana kati na bino. Boko tonga ndako ya kapo pe biloko na yango ndenge na kolakisa yo azongeli. Weza lingala. Boko sale langa ndako ya kapo pona fanda kana kati na bino. Boko tonga ndako ya kapo pe biloko na yango ndenge na kolakisa yo. Weza lingala. Ozo mona ke na anglais ba komi sanctuary. Parce que nzamba liko vivre. I want to live among you. Na vivre kat na bino. Pe na anglais ka babi this tabernacle. Mo ba traduire na sanctuary na verset 8. Verset 8. Ba eko traduire na mona tabernacle. Ba zon chango tabernacle. Tabernacle liko lo ba tante. Tante. Ne yango ba bengi tabernacle. Tabernacle liko lo ba tante. Na lingala balobi kapo. Ndako ya kapo. Bato ba voyage kana masua ba yebi tant bozo ke na ba balelien to na masua bo komi place mo fo bo lala bo zui ba tante na bino hein bo yebi te ba voile bo sala ona ba saka midema bo tonga ngo bo tie bo kote na kati bo lala pona mali na bangungi ne logo nzamba senga ki tabernacle eliko lo belo musute tabernacle eliko lo ba tante nzambe ayebi si Moïse tongela nga tante. Tantu wana ngai na bandu fanda na kati na bino po ekozala sanctuaire. Sanctuaire lingolo ba esika nga na zo fanda. Ozomona idée ya ecclesia ezali un peuple sorti de et le dieu du haut, le dieu de Elion, le dieu très haut va demeurer au milieu de ce peuple là. That is ecclesia, that is the church, that is église. C'est pas le bâtiment. C'est pas le bâtiment. Tant que vous avez dit que l'église n'a pas été, que l'église n'a pas été. Tant que vous avez dit que l'église n'a pas été. Aux autres, la conception, selon le monde, on nous comme que c'est ça la conception biblique. Mais la conception de Dieu, c'est pas ça. Nous avons l'air à salitabé pour. Avant après sa ordre ba tongela et tante o ba benga ka tabernacle o ba benga ka na français ou tante d'assignation o ba zobe yango lokola sanctuaire la résidence de Dieu et yango wana siko avant ça lango apesi bango les 10 commandements les apesi bango les 10 commandements simana yango apesi bango d'abord loi na ye simana yango lobina ye na bango ba tongela et tante abi ba tongela temple té temple té tante za temple té. Ba tongeli nzambe ndako ya kapo nde ba bina bibeli ngala awa ba tongi tabernacle o lingolo ba tante tante na lingala na ba mboka bomona ngo
banda ko ebele eza batante batie banzete batie banzete bazui le mususu ba mabele basoki soki bazui banyanga c'est-à-dire ba mama titi mo boye batie eza ko risse même na mbula mais na Israel ko bazaki na désert nde basaki siko tante wana. Tant wana eza ba kapo ba bilamba o Moïse asenga ki peuple ba yana yango ba ina ba bilamba ba ina ba ba o ba ina ba bloke bele bele ndenge eza na Exode chapitre 25 nde Moïse azui ba tisi wana asali yango tante ekangi boye ekangi pe boye nde yango wana ba benga ki tabernacle eliko ba tante eza elo musute mais na idée ya Nzambe azali komona deja eloko ya osa na futur po Nzambe a prepara ka futur na ye. Le futur a yenza mbete mais a préparé déjà et l'eau quoi même parce qu'on peut pas qu'il ne commit future wana. Tu as bengaki Abraham, c'était déjà l'Ecclésia. Tu as bengi Moïse, c'était déjà l'Ecclésia. Pour une mission que j'ai, un peuple que je suis en train de préparer parce que je dois habiter au milieu de ce peuple là. Parce que Adam et Eve et Siba baby Saki. Dieu habitait au milieu d'eux. Adam et Ève, nous avons dû vivre dans Bango. L'air va détruire mes bécos et Nzambe. Relationship wana et katani. Ce que nous avons dit, c'est qu'on reconstruire relationship wana. Ce que pour relationship wana et salima. Lokola bengana ki bango déjà dans le jardin. Dieu a maintenant une idée pour na kozongi sa mutu. Nga la fana na kat na mutu. Il faut ça na kat na eklesa mutu. A bimina libanda. A bimina mokili. A yé na place on nga la kola tsaye. Na ba règle na nga. Na ba loi na nga. De mutu na kofan. Nenga na kotichie, nenga na kovivre naye. Alors avant la silisa, naina lobelo mo. Bien aimé dans le Seigneur, où est la première partie sur the church service? C'est la deuxième partie, na ko continue place haut. Est-ce que nous avons dit à Moïse, tongé la tante? Bozo mona ki l'Ancien Testament mo église est dit. Bozo mona ki nzamba za na relation na bato ndenge na expliquer. Tika moli mo santo a aidé yo o comprendre makambo nga na zoloba. Pezwa Bible na yo bana otanga ngo. Look again. Look again. Stepping out the crowd. To see things differently. May God bless you.